Tiens bon. Une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. S. O. E. Sœur. Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors? Ah, oh ah, la vache. Vache. Hey.
Jessica! Oh putain! Jess! Jess! Tu vas bien? À l'aide! Ash! C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Non.
bien, Ashley? Oh merde. Ash. Ash. Ashley. Je suis là. T'es où? J'en sais rien. Tu vas bien? Mais que... qu'est-ce qui s'est passé? Pitié, aide-moi. J'arrive, Ash. Continue à me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Chris, il m'a ligoté. Je peux pas bouger. Ashley, je vais te sortir de là. T'inquiète pas. J'ai vraiment peur, Chris. Dépêche, je t'en prie. Bonjour, et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous avons mené une petite expérience, comme un test. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets, Joshua et Ashley. Mais nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet vivra et lequel mourra. Non, c'est pas possible. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Ok, tout va bien se passer. Oh, merde. Hey, mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse merde, à ça une minute. Chris, je veux pas mourir. Juste une seconde, j'y arrive pas. Merde. Mec, arrête tout ce qu'on a fait.
peux pas mourir comme ça. Pitié, je sais, crois pas. Je sais qu'on n'a pas été très bonne dernièrement et j'ai fait un peu paumé et tout ça, mais je m'améliore, mec, je te jure. J'arrive, Ash, je vais te faire descendre. Chut, arrête, Ash. Allez, allez, tu vas descendre, non. Allez, il faut te sortir d'ici. Non. Chut, on doit partir, ok? Je comprends pas ce qui s'est passé. Il a un cinglé. Chris. Il a menti. Et c'était lui ou Ash, je savais pas quoi c'est faire. Pas vrai. Il a traversé ce giclet, il saignait de partout. Quoi? Mais c'est pas vrai, Chris. Je l'ai tué. Oh non. C'était ma faute. Non, 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 c'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Il a été coupé en deux. On va découvrir ce qui s'est passé. Rien, j'en sais rien. Matt, on doit y aller maintenant. Chris, elle a raison. On sait pas qui sera le suivant, alors on doit filer. Ouais, ouais, c'est la seule chose à faire. On cherche de l'aide. Non, tu veux juste sauver ta peau. Non, je veux juste pas prendre de décisions foireuses qui feront tuer tout le monde. Tu rassembles les autres si tu veux, moi, je vais chercher de l'aide. Avec Matt, ok? Ok. Bonjour. La tension a monté d'un cran, n'est-ce pas? La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espériez? Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive? J'essaie de vous aider. Ce jeu auquel vous jouez. Vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien. Il ne fait de bien à personne. Et je ne vous trouve pas spécialement franc dans votre façon de jouer. Ah, c'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question. Arrivez-vous encore à faire la différence ?